Qu'est-ce que vous avez gâté dans le village? Elle dit qu'elles ont un pot de noix, elles ont pris pour envoûter le village en versant dans tous les lieux, les grands lieux du village. Vous dites qu'il ne faudrait pas que le village là, il y ait la reçue toi qui rentre dans le village. Alors donc on l'écoute, qui vient ici? Moi, mon abaïe. Moi, ma abaïe, ma bla. Il dit que c'est sa tante, la soeur à son papa. Et comment ça s'est passé? Je ne vois pas, c'est mon abaïe. Ma mère est trop nina. Elle dit que c'est dans la sauce, dans une sauce graine avec la viande dedans. Dit que pendant qu'elle a mangé la sauce graine, la nuit, quand elle est couchée, elle est venue la chercher, ils sont partis, dans le monde de sorcellerie, elle lui a donné le sang humain, elle a bu, elle a encore donné la chair humaine, elle a mangé. Joël. Elle dit que sa première mission lui a demandé de tuer son frère qui s'appelle Joël. Et effectivement, elle l'a tué. Comment elle l'a tué? Ça va, ça prend Joël. Elle dit qu'elle s'est transformée en corbeau. Et le soir, lorsqu'il était en train de manger, il allait envoûter le repas qu'il mangeait. Donc pendant qu'il mangeait, c'est devenu comme arrêt, c'est resté dans sa gorge. C'est à la suite de ça qu'il a succombé, il est mort. Il mangeait, elle a fabriqué l'arrêt dans sa gorge. Voilà. Oui. Comment elle a fait? Comment s'est arrangé pour bloquer ça? Papa, c'est un moyen qui dit à cette économie, nous, on va oublier ça. Pourquoi arrêter à Bagouane? Pour noir. Elle dit qu'elle a mis une poudre noire dans son repas. C'est ce qui a créé ça. Mais il est mort. Elle dit oui. Que vous l'avez mangé. Sandy. Elle dit oui. À la suite de la mort de son frère Kouadi et Joël, il lui a donné maintenant le pouvoir de chat et de corbeau. Y a-t-il combien de personnes? Écoutez-moi d'abord, c'est moi qui pose les questions. Vous avez tué combien de personnes? Non, pour ça, rien. Elle dit qu'elle a tué 150 personnes. Qu'est-ce que vous avez gâté dans le village? Qu'est-ce que vous avez gâté? Elle dit qu'elles ont un pot de noix, elles ont pris pour envoûter le village en versant dans tous les lieux, les grands lieux du village. Vous dites qu'il ne faudrait pas que le village là, il y ait la reçue, toi qui rentre dans le village. Elle dit quoi? Elle dit qu'elles ont envoûté le village pour ne pas qu'il y ait la reçue toi dans le village. Comment ça? Elle dit que les autorités du village ont dit qu'ils vont faire, ils vont arranger les voies du village. Et ils vont mettre souvent le courant, tout ça là. Donc ils ne veulent pas le développement. C'est pour cela qu'ils ont envoûté le village. Je ne veux pas qu'il y ait la route, il y ait toutes ces choses. Ah, tu n'aimes pas le développement. Tu n'aimes pas le développement. Non, mais comment elle apprenait pas? Elle dit oui. Oh non. Finesse. Oula, vraiment. Pourquoi? Non, mais tiens. Elle dit qu'il y a des autorités qui viennent arranger le village et ça ne les arrange pas. Donc ils changent. Oui, mais pourquoi? Moi, je veux savoir la couleur. Pourquoi? Oui, c'est un maillot. Il y a 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 un maillot. Mais je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 Tu es un peu plus de temps.
bas, il tirait le papier. Elle dit que c'est la sorcellerie là qui les pousse à faire ça.